Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Regardez, nous prenons comme exemple la France. Dès que la France prend face au terrorisme, aux intégrismes, Macron et Luynes, ils prononcent exactement le mot islam terroriste, au lieu de dire djihadiste, il dit islam terroriste. Vous voyez que les gens vont avoir peur. C'est pas nous qu'on va avoir peur, c'est pas l'État, c'est pas le peuple, c'est les terroristes qui vont avoir peur. Ils vont se cacher. Mais si on a peur, on cède à ces gens-là. De toute façon, l'ancienne génération, Frédéric, c'était une génération de peur. Moi, tu sais, Michel Rocard, l'ancien Premier ministre, l'ancien patron de socialistes, l'ancien allié de François Mitterrand, une personnalité que tout le monde le connaît, beaucoup de gens l'aimaient et l'aiment. Regarde, et quand Hollande il est président, il avait son bureau ici. Qui Michel Leca. Ah oui. À 4e étage. Au 66 Champs-Élysées, Sarkozy, il avait donné un paquet. Il travaillait dans certains domaines internationaux, soi-disant patati patata, je ne sais pas. C'était le truc des pôles, ça. Il était ambassadeur des pôles, Rocard. Avec Alain Juppé, il était. Oui. Il était ambassadeur. Et après, il y a eu Séguin-Royal. De toute façon, ici, il avait son bureau, il travaillait. Un jour, il me dit, David, je vais aller en Iran. Je dis, ah bon, au départ, que Hollande, il est devenu président. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Moi, je dis, monsieur le Premier ministre, il me disait, monsieur le président, puisque je suis, comme tu sais, président de l'association, etc. Je dis, qu'est-ce que vous voulez faire là-bas? Il a dit, je suis chargé d'aller prendre accord des Iraniens pour repatrier la totalité de l'armée française de l'Afghanistan avec les armements vers Paris. Mais puisqu'on ne va pas payer les frais de livraison des avions et tout ça, ça coûte trop cher, on va prendre cette aide de la République islamique d'Iran. D'accord? Et il va aller. Après, il m'a demandé de l'apprendre quelques mots aux personnes. On se mettait en haut dans un café qui était au milieu, 2 coupes de champagne, et pendant 2 ou 3 jours consécutifs, on a parlé, je lui ai donné des notes que j'ai ici. Alors, il est parti. Écoute bien Frédéric, c'est très important, monsieur Dupont. Après 2, 3, 4 mois, il était allé faire son affaire, patati, patata, mais il était là tous les 10h, 11h, 10h30 du matin, il venait monter dans son bureau. De temps en temps, si l'heure est ça collait avec moi, je le rencontrais, après on prenait un verre, il montait, moi, dans mon bureau. Alors, un jour, après 2 ou 3 mois, avec ma femme, avec Jordan, le train, on est devant la porte garée, on va entrer dans la galerie, et je vois Michel Leca. Ah, bonjour, monsieur le Premier ministre, ça va? Ah oui, ça va, ça y est, je vais aller déjeuner, c'était vers midi. Tu sais, David, je l'ai vu, j'étais en Iran. Je savais, vous m'avez dit avant. Ah oui, parce qu'il avait Alzheimer à l'époque aussi un peu. Et tu sais, David, ces gens-là, ils te connaissent. Et quoi, là-bas? C'est normal, ils me connaissent. Il a dit, mais ils ne sont pas tellement méchants comme toi, tu es méchant contre eux. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire, monsieur le Premier ministre? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, non, ils sont très intelligents et très gentils. Je dis, on vous a fait manger du caviar et vous êtes maintenant gentil. Tu es le Michel Leca qu'on a fait de colloque ici avec le général Henri Paris, à l'Assemblée, à droite, à gauche. Tu as été violent vers la République islamique d'Iran. Maintenant, tu dis qu'ils sont gentils. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu es gentil. Ils sont plus gentils que moi. Non, mais tu veux dire, il voulait peut-être dire des personnes qui te connaissaient, pas forcément la République islamique. Non, parce que le contact qu'il avait, c'était avec les dirigeants. Il n'était pas allé dans le peuple. Peut-être que c'est des. Oui, peut-être qu'ils l'ont dit de manière anonyme aussi. Parce que s'ils disent là-bas David Abbasi, peut-être que ça peut-être pas faire. Non, il avait dit, et même il savait que nous sommes dans le même immeuble et tout ça. Ah, tu sais que le service de renseignement de la République islamique d'Iran, il est très très fort. Il est très très fort. Non, même. Il m'a dit, j'ai dit, monsieur le Premier ministre, vous avez parlé, vous, de moi? Il a dit, non, c'est eux qui savaient que nous sommes voisins. Est-ce que tu comprends? En plus, mon nom en personne, tu sais, c'est Siavash Avesta. Il a dit, au départ, il prononce le nom, je suis bloqué. Après, il dit, Monsieur le Premier ministre, on parle de Monsieur David Abbasi. En plus, David, ils ont dit Monsieur David Abbasi. Alors, j'ai dit, monsieur, il ne faut pas être flatté par les compliments de personne. Il prend, mais c'est un régime terroriste, c'est un régime patati, patata, patati. Oh, mais lui, il ne voulait pas le croire. Après ça, il fait un bouquin, et là-dedans, dans son bouquin, tu vois qu'il va admirer l'Iran, l'ancien, jusqu'à maintenant, etc. C'est-à-dire, et de temps en temps, ils sont tellement forts qu'ils peuvent détourner la tête des gens. Ils font peur d'un côté et ils font caviar de l'autre côté. C'est pour ça qu'on dit gauche caviar. Hein? Oui. Je te donne un autre exemple, Frédéric. Oui. C'est pour toi. Autrefois, on était avec... De toute façon, tu sais, je vais te dire, hein. Moi, je suis plutôt à gauche, mais pas caviar. Hein. Je sais. Non, c'est plutôt moi, c'est plutôt les œufs de bombe. Ça coûte pas. Je parlais de Michel Rocard, j'étais dit gauche caviar. Parce qu'il était gauche, tu sais. Non, autre chose, je te dis de gauche. Autrefois, Emmanuel Valls. Il était Premier ministre de la France. Ouais. Et il voulait devenir président de la République, c'était son... Ah ben oui, mais bon, il donna une conférence chez CRIF. Oui. D'accord. Oui. Et avant, il était où, Emmanuel Valls? Il était pro-palestinien. Il s'appelle Carlos Emmanuel Valls. Moi, je sais. Voilà. À l'âge de 18 ans, il devient français. Et son grand-père était, je crois, alors c'est pas son père, c'est son grand-père. Il était banquier à Barcelone. Mmh. Il était banquier à Barcelone. Je crois même que je sais même pas s'il a pas, si son grand-père n'a pas collaboré avec le régime franquiste. Je sais pas parce que c'est. Si pas... si. Oui. Et après, ben, il est venu en France et il a de. Non, parce que bon, Manuel Valls, on le connaît très bien. Il est, d'après bon, les. D'ailleurs, à un moment donné, il a voulu. Après, il se présente à Barcelone. Bon, il s'est fait là-bas. Il n'a pas pu réussir. Il n'a pas pu réussir. C'est que maintenant, c'est que bon, ils peuvent. Non, mais c'est qu'il reviendra. Je pense pas qu'il va revenir, hein, vu que il va en Espagne. Après, il revient en France. Après, il reviendra encore en Espagne. Donc, non, c'est. Après, il y a qui a après Emmanuel Valls, il y a Cahuzac aussi. Oui, mais Emmanuel Macron, je n'ai pas terminé ce que je voulais te dire. Oui. C'est très important. Il est le Premier ministre de la France, d'accord. Il y a, dans cette conférence qu'il est en train de donner, oui. Ok, il y a déjà plusieurs années, il y a Habib Marar, c'est le député des Français à l'étranger, ah, oui. Qu'il est juif, le barbeau. Alors lui, il va poser une question... à Emmanuel Valls. Il dit, Monsieur Emmanuel Valls, vous n'avez pas vous exprimer sur la question d'Iran comme un pays terroriste, etc. Tu sais qu'est-ce qu'il répond? Non. Il dit, mais écoutez, monsieur, non, écoutez, l'Iran n'est plus terroriste. Il dit, il est Premier ministre de la France. Oui. Il dit, l'Iran n'est plus terroriste. Michel Rocard, il m'a dit ça. Ouais. Un autre Premier ministre socialiste, il dit ça, il dit Iran n'est plus terroriste parce qu'ils ne font plus des actes terroristes, ils ne sont pas comme avant, même Salman Rushdie a dit ça, ouais. Dès qu'il a descendu, je dis, Monsieur Valls, vous ne lisez pas des informations, c'est quoi ce que vous avez dit ici? Toujours Salman Rushdie le condamna à mort, il a dit non, il faisait le combat, il est descendu pour aller. Après j'ai dit en plus, le régime n'est pas terroriste. Il est en train de massacrer les gens en Iran, à Téhéran. Il n'est tout plus en France, il n'est tout plus en... Mais en Iran, tout. Oui. Il est parti tout de suite. Mais c'était ça dans sa tête. Comme quoi, Iran, la République islamique d'Iran... Il était Premier ministre. Non, ce n'est pas parce qu'il était Premier ministre, puisqu'il voulait devenir président de la République. Oui, parce qu'il était... Mais voilà. Ah. Et je pense qu'il ne devait pas trop... Non, parce qu'il faut... Non, les autres, ils ont eu le courage de dire. Par exemple, dans le même endroit, dans le même tribune que lui, il était, il y avait Sarkozy, et il y avait Alain Juppé, et il y avait plusieurs d'autres qui ont dit, régime iranien, on ne peut pas traiter avec, c'est terroriste. Mais ça, c'est... Au moins, on ne dit pas qu'il n'est plus terroriste. On peut de ne rien dire, mais donner un jugement qui n'est pas correct. Et tu vois que de ça, ça passait des années, M. Dupont. Et nous sommes en 2023. J'aimerais bien voir Emmanuel Valls, le dire que, monsieur, nous sommes en 2023, c'est les Israéliens qui étaient massacrés là-bas sous l'ordre de la République islamique d'Iran, et toi tu dis qu'ils ne sont pas terroristes. Et c'est pour ça que peut-être sa femme il a quitté. Hein? Attends, après il était avec une catalane. Ah voilà, voilà. Voilà, de toute façon, M. Dupont, merci. Morgane, merci beaucoup de nous donner encore 30 minutes de ton temps. Dernier mot, vas-y, qu'est-ce que vous voulez nous dire?